Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour le quatrième épisode de Resident Evil 0. Donc c'est parti, on va aller là-haut pour récupérer ce qu'il y a dans la cage. Attendez, avant, faut que j'échange avec Billy ça. Donc on échange tout, tac, et comme ça Rebecca a un slot de vide. Donc voilà, ça va être la pure galère, mais écoutez, on va devoir faire avec. Donc faut que je prenne ce côté-là de l'escalier, la petite porte qui est en face, et on devrait être bon. Hop, yes les amis. Alors, on va voir ce qui va se passer. Je me souviens un peu du délire, mais je préfère pas vous spoiler. Vous allez voir. Mais clairement, ouais, j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Donc ça me perturbe un peu. Ah, tac, 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 tac. Allez, allez. Allez. I'll go. Alors, Okay. Rebecca, tu descends en bas. En même temps, on va pas descendre en haut, vous me direz. On descend forcément en bas. Donc, Rebecca, il faut que tu ailles à côté de la cage parce que tu vas avoir besoin de récupérer ce qu'il y a là-bas. On prend le point de vue de Billy Billy et il va aller soulever la petite cage des familles pour pouvoir faire en sorte que la miss récupère le truc. La machine a terminé d'enrouler la chaîne. What? Ah, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ah, yes, c'est ça. Allez Billy, vas-y. Et nous voici avec la clé rouge. Donc je suppose que c'est la clé du feu. Cinématique, les amis. Et là, le moment où j'ai paniqué la première fois. Bon, là, je m'y attendais du coup, mais. Oh, ce machin, c'est horrible. On dirait un mille pattes géant. Il a chopé Rebecca, donc on est dans la mouise totale, les amis. Il faut qu'on la libère. Rebecca, comment elle dit Rebecca? Ça me fait toujours marrer, franchement. Bon, je rigole pas là, mais vous voyez, je suis grand sourire et tout. Je suis en mode, mais what? Mais avance, Billy! Mais non! Alors, on combine ça avec ça. Je suis en OK, donc c'est bon, c'est pas très grave. Ah, mais il est déjà mort. Ok. Bon, bah, ma foi, il est mort, les gens. Bon. Rebecca. Le boss, zéro, hello. Hein, on va dire. Are Ça va? you Ouais. alright? Merci. Bon. Elle n'est pas blessée, elle n'est pas blessée non plus. Non, tout le monde est ok. Bon, et bah si tout le monde est ok, bah moi aussi je suis ok, les amis. Du coup, va prendre le point de vue de Rebecca. On va l'équiper de ça. Et bah c'est parti pour aller ouvrir les deux pièces où on a mis bah, tout simplement la porte de feu. Donc on va aller en bas parce qu'il me semble qu'il y a la porte qui est. Ouais, qui est du côté à gauche du hall. Enfin, ouais, à gauche. Allez, c'est parti, on va faire ça. Et après, il y a celle qui est en haut. Ce que c'est qu'on a l'inventaire blindé, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. C'est si on doit récupérer des choses, les amis, on est dans la mouise. Alors. Ouais, je vais laisser le soin ici, écoutez. Allez. Elle me suit? Ouais, elle me suit, c'est bon. Hop, alors on va aller en bas premier, écoutez, pour la symbole de porte de feu, là, je sais pas quoi. Salut! Alors on va voir si on a des poteaux à tuer là-dedans, hein, clairement. Allez, hop, toi tu meurs, tu vas pas me saouler longtemps, je te le dis tout de suite. Par contre, ça me perturbe, c'est l'histoire de ma statue que je ne vois pas où aller. Non, c'est pas le plan que je vais ouvrir. Rebecca, s'il te plaît, ma chérie. Hop. Vous avez utilisé la clé du centre. Ok, on peut rentrer dans la pièce. C'est parti, les amis. Bon, il a l'air d'y avoir rien. Là, il y a un truc.
Là. Si j'ouvre le plan, on va pas y arriver. Donc, on a de l'essence pour briquet. Donc, il y a la porte là-haut qu'on va pouvoir s'occuper. Okay. Non, c'est pas ça que je veux faire, Billy. C'était pas ça qu'il fallait que tu dises à ta copine. Combiner ça avec ça. Yes! Donc, cette fois, on a un briquet fonctionnel. Donc, tu me suis, bien évidemment. Il y a une plante rouge qui traîne encore ici. Il y a des bouteilles. Ah, ça me tente bien pour faire les cocktails, mais en même temps, enfin, ça va me prendre un slot. Bon, écoutez, je prends et on va déposer ça quelque part. J'avais plus de place, les gens, dans mon inventaire. Bah, tout à l'heure, on entendait un zombie, il est, et plus personne. Bah, où est-ce qu'il est? Ouais, bah, il était là. Hop! Allez, c'est parti! Donc, après, c'est la porte en haut. Ouais, c'est ça. Celle du haut. Au milieu. Et la petite porte tout au bout. Si j'ai pas de bêtises. Billy, tu vas laisser ça ici. Yes. Hop! Allez, c'est parti. Donc normalement c'est là-bas. Ah oui, puis il y a la porte avec la bougie sur le côté là qui était fermée aussi. Qu'on fasse tout ça. Alors c'est parti. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Salut la porte. C'est fermé. Ah mais oui, c'est Rebecca qui a la clé. Forcément qu'il peut rien faire. Hop. Vous avez utilisé la clé du centre, vous n'avez plus besoin de la clé, la jeter. Yes, les amis. Alors, c'est parti, on va aller dans cette salle. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer. Pas de zombies? Ah. Allez, on va prendre Billy. Pousse-moi ça, Billy. Elle nous dérange un peu. Alors, il y a un bouton, donc on va l'allumer. Hop! I'll check it out. Roger. Descends, Billy. Allez, mais... Il y a un interrupteur, l'actionner. Yes. Alors, on va pousser. Hop, ça. Bon, on va passer au-dessus. Il y a un papier et il y a des munitions pour Billy. Ah! On dirait qu'il y a quelque chose ici. Ah! Ok, c'est là qu'il y avait l'aiguille. Descends, Billy, s'il te plaît. Alors, les munitions, tout d'abord. Et magnifique, nanana, on s'en fout du globe terrestre. Merci pour les munitions. Alors, le petit document des familles. Alors, journal de l'assistant du directeur, le 2 septembre. Encore une bande de stagiaires incompétents ou le siège social, pardon, dégote-t-il de tels idiots? Quelques-uns sortent du lot cependant, estimons-nous heureux, William et Albert, ceux-là ont de l'avenir. Le 25 septembre, Will l'intello et Al le pragmatique cassent le jour et la nuit. Ils se donnent toujours à fond. Ils ont tous les deux quelque chose de cruel et d'impitoyable. Le 7 octobre, j'ai reçu un appel inattendu du directeur. Il m'a dit d'encourager la rivalité entre eux deux. C'est bien la première fois depuis l'ouverture de ce centre de formation que Marcus s'intéresse à autre chose qu'à ses recherches. Bon, comme il veut, les ordres sont les ordres, ils seront bientôt à couteau tiré. Bon, non, c'est bon. J'ai rien dit une deuxième fois. Bon, ok. Sympa. Sympa, sympa. Alors, on remonte. Donc, on a deux petites choses pour pouvoir avancer dans nos portes à ouvrir. Allez, Billy, tu descends. Et il y a des munitions là, je crois. Rebecca.
Yes. On va voir la blinde de munitions. Alors, Billy, t'en es où? Combiner ça avec ça, on est ok. Let's regroup. Roger. Hop, on a fini, on a exploré tout ça. Elle me suit ou pas? Ouais, c'est bon. J'avais l'impression qu'elle me suivait pas, les amis. Eh ben, c'est parti, écoutez. Ça va faire une dizaine de minutes qu'on est en rec. Et bah, écoutez, on a plutôt avancé. Donc, la salle ici. Du coup. C'est parti. Sur quoi on va encore tomber, les amis? C'est par là? Je sais plus où aller la porte. Donc là, c'est la manivelle. Bah, je suis pas dingue. Ah, c'est là. Utilisez le briquet. Yes. Ok, donc on a bien entendu la porte se déverrouiller. Hop, allez, on y va, Rebecca. Ils sont déjà KO? Ok. Alors, Rebecca, tu viens là. Parce qu'il y a encore des... Ah, c'est des grenades tout court? Ok, donc c'est pas les mêmes grenades. Ok. Donc on va être un petit peu embêté. I'll check it out. Okay. Tu restes là, toi. Et lui, il va monter là-haut. Ouais, c'est ça. Hop. Ok. Est-ce qu'on peut pousser cette étagère? Ok, donc il y a un truc à prendre, mais je crois que je suis blindée. Ah, c'est galère. Et Rebecca aussi, elle est blindée. Hein. Ouais. Ouais. C'est cool, on a beaucoup plus de munitions et tout par rapport à la dernière fois, mais c'est problématique au final. Bon, Rebecca, elle va sortir, vous savez quoi? On va déposer les balles. Les balles, enfin les trucs à grenades. Hop. On va laisser ça là. Là, je pense qu'en plein milieu, on devrait pouvoir récupérer ça facilement. Et on va laisser ça ici. Ah non. Voilà. Donc, hop, on a laissé les grenades là. On va retourner voir Billy pour pouvoir récupérer le dernier objet là-bas. Parce qu'à mon avis, ça va être important pour nos énigmes. Parce que c'est ça aussi l'important, ça, c'est d'avancer dans nos énigmes. Et c'est ce que j'essaye de faire. Alors... Allez, grimpouille-toi, ma petite. Elle est en train de pousser Billy, j'adore. Mais il peut pas se pousser de lui-même, je sais pas. Fin... Hop. Good. Donc le bien, le livre du bien. C'est Rebecca. Examiner. Oui, on veut ouvrir le livre. Ah, les ailes de la statuette qu'on avait trouvées tout à l'heure. Alors ça va être super, mais il va falloir qu'on arrive à la récupérer au sol. Ça, c'est notre affaire. Donc, du coup... This way. Ok. Allez. Bah, pourquoi elle veut pas descendre? Non, mais... Ah! Et ce jeu, des fois, je me pose des questions. Bon, du coup, on a fait ça. On a l'aiguille. Donc, il faut qu'on aille dehors, qu'on repasse là où il y a les corbeaux. Ouais, c'est ça. Pour déverrouiller les autres portes. Et il faut qu'on aille chercher la statuette.
Donc on a laissé nos grenades là. On viendra les rechercher. Parce que clairement plus tard à mon avis on en aura besoin. Là à l'heure actuelle on a des zombies. Donc j'utilise pas trop les grenades. Tac 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 tac. C'est ça. Hop, allez, on sort par là. Donc c'est parti, on va aller là-bas où il y a l'aiguille. Donc il faut que je passe par la grande salle. Ouais, c'est ça. Désolée si vous entendez du bruit, je suis pas toute seule à la maison. Tac tac tac, on y va par là. Donc normalement c'est par là, ouais c'est ça, j'avais mis le soin ici. Hey Billy, suis-moi, dépêche-toi mon chéri. Désolée, j'ai bu un petit coup parce que franchement, il fait chaud. Donc ça fait du bien. Allez, 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 allez. Donc, par là. C'est parti les amis. Les bignous, on se calme. Alors, voilà, c'est ici. Alors, Rebecca. Ah, c'est pas Rebecca qui l'a, bien évidemment. Quoique. Attendez, 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 attendez. Tac, tac, tac. On va échanger Rebecca. Tac. Rebecca, utilisez une grosse horloge. Bougez les aiguilles, oui. Alors, on avait lu dans les papiers qu'il y avait 8h15. Donc, à mon avis, il faut s'en servir. Tournez les aiguilles des minutes vers la droite. Rien ne se produit. Mais j'ai pas fini en même temps. Oui, je veux bouger les aiguilles. Alors. Ah, mais c'est 8h15, c'est pas ça que je veux. Alors. Alors là, la truc des heures, je veux bouger, moi. À droite. Mais je veux celle des heures. Hop. Donc, il faut que j'aille sur le 8. En chiffre romain, bien évidemment. Hop. Allez, go! Hop! 7. Et le 8. Alors maintenant, il faut que je prenne celle des minutes et que je fasse. Que j'aille sur le 15. Le 3, pardon. Pour faire 15. Hop! Et là, on est. Ok! Ça a marché, les amis! Alors! Donc on a la porte, ouais, là où il y a les toilettes, là où il y avait les enceintes, les trucs qui nous ont attaqués, et celle qui est au niveau du hall, dans le haut. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Et... Bah mince, elle est où la porte? Les amis, je sais plus d'où je viens. Ah si, c'est là-haut. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oh mon dieu. C'est parti. Alors, ouais, on va aller explorer les deux salles qu'il faut explorer. Et puis ensuite, bah, on verra parce que de toute façon, on est bloqué avec ça. Et après, c'est les petites statuettes qu'il va falloir regarder. Là, niveau inventaire, ouais, ils ont tous les deux un slot de vide. Donc, ça va. Il y a pire. Il y a pire, il y a pire, il y a pire. Alors, on y va. Hop, faut reprendre les escaliers. Tac, tac, tac. Par là, Rebecca. Donc, allez, c'est parti les amis, on y va et on y croit.
Allez, c'est parti. Alors, allez, c'est dans le haut, mais je sais plus de quel côté. Ah bah, c'est celle-là, parfait. Hop, allez, on y entre. C'est parti. Ok, Terminator. Terminator, bonjour, je m'appelle Billy. Un poème, les amis. Alors, la lune s'incline devant la terre prête allégeance au soleil, et c'est la loi du soleil qui gouverne l'univers. Voilà le pilier, le chemin de la gloire, et toutes nos forces associées ne peuvent ouvrir la porte du paradis. Ok, bon, un petit poème, tranquillou bilou, les amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Non, je m'en fiche du plan. Donc ici, ok, il y a une plante, mais on s'en fiche. Et là, il y a un micro, un film encore. On va en avoir besoin. Merci, monsieur. Merci, madame. Ah, 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 Billy. Il y a des munitions pour toi là-bas. Yes. Alors, mon petit Billy, où est-ce que tu en es au niveau de ton arme? Donc, on va combiner ça avec ça. On est good. Ma petite Rebecca chérie, je te reprends. Hop. Et ben on a tout fait ici. Et ben écoutez, on va chercher l'autre micro, le microfilm. Et on va aller se débarrasser de tout ça. Hop. Ensuite, il faut qu'on descende parce que l'autre où on doit aller, il est de l'autre côté. Donc de toute manière, on va passer dans le microfilm. On va aller changer ça à Billy. Et clairement, on va aller. Pas mince. On est en train de faire tout le tour. Youpi. Très bien. Alors, le microfilm, où est-ce que je l'ai abandonné? C'est celui-là. Alors, les amis, ça y est, j'ai le microfilm. Donc, je vous ai épargné un peu ce moment de galère. Donc, c'est par là qu'il faut qu'on aille. C'est parti. On va aller utiliser ça. Oh, mais non! Oh là, elle est là, la porte. Ouh! J'aime pas passer dans ce coin, les amis. Je n'aime pas ça. C'est horrible. Alors. Billy, aide-moi! Ok, et un projecteur. Ah, j'ai des munitions. J'aime bien, je fais la surprise, mais on est blindé de munitions, contrairement à l'autre. Bon, on est tous les deux en ok, donc écoutez, c'est bon. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se trame? Donc, hop, c'est ici qu'il va falloir utiliser ça. Je me souviens. Un projecteur de microfilm. Si vous avez un microfilm, vous pourriez voir le contenu sur l'écran. Ok, donc c'est parti les amis. Utilisez. On va voir ça. Ok, on voit des chiffres. L'écran affiche un motif bizarre. Ouais. Hop, on va utiliser celui-là. Alors les amis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose d'écrit sur la photo des sièges. Ah, on a le disque. Ouais, on a le disque mou. Ok. Image sur microfilm. Une image résultant de la superposition des microfilms A et B. Des numéros apparaissent sur le siège de la salle de conférence. Ok. Image sur microfilm. Donc on peut la voir dans nos trucs. Fichier. Ah, voilà, ici.
voit rien de plus. Ok. Bon. Bah, il faut qu'on aille mettre le disque au bon endroit. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Bah, mince, ça est où la porte? Où est-ce qu'on sort, monsieur? Ah, c'est là. Très bien. J'ai fait tout le tour pour rien. Moi, bien. Donc là, on va speeder, les amis, pour sortir. Parce qu'on va être embêté par les sangsues. Et elle me saoule, clairement. On va pas se mentir. En fait, il faut pas rester statique. Il faut bouger parce que sinon, elle nous attaque. Hop, c'est parti. On retourne dans le hall, les amis. Et on va aller s'occuper de mettre le disque Mo. Hop. Hop, 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 on fait notre petite balade de santé, vous voyez, on court à travers le manoir. Enfin, le centre d'examen, du moins. Allez, c'est parti, Rebecca. Tu rentres là-dedans. Et on va aller mettre le disque Mo. Donc, il faut qu'on utilise ça. C'est parti. Lecture du système. Accès terminé. Système de déverrouillage activé. Veuillez entrer le code d'accès. Il n'y a pas de dispositif d'entrée à proximité. Donc, il y a un truc à faire. 2D, qu'ils ont dit. 2D, les amis. Donc le 2 est là et le D est là. Donc faut que mes bonhommes se mettent au bon endroit. Donc le 2, il est ici. Let's split up. Okay. Hop, il a poussé Rebecca. Et moi, le D, normalement, c'est ici. On va revérifier le truc, les amis. Donc, 2 et D. Donc, on est d'accord. Donc, si je prends en premier ma petite Rebecca. Hop, on prend Billy. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Bizarre. Le 2 et le D. C'est bien ça, hein. On va retourner voir le truc là-bas. Et D. Hop. Alors les amis, je comprends pas. J'ai fait le code qu'ils ont dit, mais il ne se passe rien. Ça n'a rien changé pour les portes qui sont là. Attendez. Est-ce que je me situe bien? Ah si, c'est bien ça. Là, on voit bien qu'il y a les escaliers ici. Donc le pupitre et l'estrade sont là. Et la porte là-bas. J'aime pas cette histoire là. Billy, Billy. Je fais l'inverse.
Je comprends pas trop les amis là, je vous avoue. Ça me semble logique mon raisonnement, mais... Oh, le dé, il est bien là. Hein. Bon, écoutez, ça fait 30 minutes qu'on y est, donc on va arrêter là. Et on essaiera de résoudre ça la prochaine fois, du coup. Mais, ouais, mon raisonnement me semble logique. Code d'accès 2D. Attendez. Faut que je prenne le point de vue de Billy. Et c'est Billy qui va sauvegarder. Eh ben écoutez, on va sauvegarder ici et on essaiera de résoudre cette énigme la prochaine fois du coup. Parce que là, clairement, bah, je comprends pas trop. Hop, j'essaierai d'y réfléchir entre deux, histoire de, voilà, de pas rester coincé là-dessus. Enregistrer les données, oui les amis. Donc voilà, on s'arrête là pour le 4e épisode les amis. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, je sauvegarde et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et des bisous à tous et passez une bonne journée. Bye bye tout le monde!